En 1903, un jeune immigré italien débarque aux États-Unis et met en place la plus grande arnaque financière qui porte son nom, la pyramide de Ponzi. Des milliers de personnes ont été arnaquées et l'arnaque a pris une folle dimension avec plus de 20 millions de dollars investis. Quand il a débarqué aux États-Unis, il ne savait rien de la finance, rien de l'investissement. En fait, il ne savait même pas parler anglais. Pourtant, il a réussi à devenir le plus grand escroc de l'époque. Les gens lui faisaient aveuglément confiance avec leur argent. Il était sans pitié, au point d'arnaquer même son chauffeur et son beau-père. Des milliers de personnes commençaient à vendre leurs biens pour aller investir avec Charles Ponzi parce qu'il leur promettait un retour sur investissement énorme de 50% en 90 jours. Tout était faux et quand son système commençait à s'écrouler, des milliers de familles étaient dévastées parce que tout ce qu'elles avaient était juste parti en fumée. Comment a-t-il réussi à arnaquer des milliers de personnes? Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour que les gens lui fassent autant confiance avec leur argent? Accrochez-vous pour faire un tour sur ce que l'on appelle la pyramide de Ponzi. En mars 1882, au nord de l'Italie, dans la ville Lugo, est né Charles Ponzi, de son vrai nom Carlo Pietro Ponzi. Sa famille était pauvre, genre vraiment pauvre, et il rencontrait souvent des problèmes d'argent. Mais la génération d'avant ses parents, ses ancêtres en gros, était riche et avait un nom parmi les grandes familles. Ils avaient la gloire, la renommée, la richesse. Mais au fil du temps, ils étaient tombés de leur gloire et leur renommée, à la pauvreté et les galères. Et cette galère, Charles Ponzi l'a vécue toute son enfance. Et cela lui a laissé une empreinte et a créé chez lui une urgence et un objectif. Devenir riche et restaurer à sa famille sa gloire passée. Il a commencé à travailler très tôt au service des postes en tant que postier. Mais ce n'était pas assez pour le mener à une quelconque gloire. Il va essayer les études supérieures et obtient une admission à l'université de Rome, la Sapienza, qui est la principale université italienne. Mais cette aventure étudiante tourne très mal pour lui lorsqu'il fait la rencontre des enfants riches du pays et qu'il essaye de rentrer dans leur cercle. Il finit 4 ans plus tard sans argent et sans diplôme. Les enfants de riches se fichaient des études supérieures et venaient à l'université que pour rechercher les plaisirs des bars, des cafés et des opéras de l'époque. Et aveuglément, Charles Ponzi a commencé à les suivre dans leur mondanité. Et quand il s'est rendu compte, 4 ans étaient passés et lui était fauché et sans diplôme. Voilà que celui qui devait restaurer la gloire familiale se retrouve perdu et lui-même a besoin d'être guidé. Mais il y avait quelque chose qu'il pourrait faire qui pourrait leur apporter beaucoup de richesses. D'ailleurs, beaucoup d'enfants des autres familles l'ont fait et sont retournés vers leur famille, l'argent plein les poches. Immigrer aux USA. C'est la meilleure solution pour redonner à sa famille sa place parmi les autres. Fini les galères, fini la misère, il est temps de reconquérir le pouvoir. Mais Charles Ponzi a déjà goûté à la vie facile lors de son parcours d'étudiant raté. Il a goûté au luxe, traîné avec les enfants de riches et ne connaît plus la vraie valeur de l'argent. Il va débarquer aux États-Unis avec cette attitude. Le 15 novembre 1903, le jeune Ponzi arrive aux États-Unis dans l'état de Massachusetts, principalement dans la ville de Boston. Il faut savoir qu'à l'époque, Boston était le centre financier de toute la région de la Nouvelle-Angleterre, au nord-est des États-Unis. C'était une ville dynamique et le point d'ancrage économique de toute la région. Même aujourd'hui, Boston est le centre de recherche scientifique avec des établissements connus comme Harvard ou le MIT. Charles Ponzi arrive à Boston à bord du navire SS Vancouver avec 2,50 $ dans sa poche, qui font aujourd'hui à peu près 76 $ si vous les ajustez à l'inflation. Tout l'argent qu'il avait a été dépensé pendant la traversée de l'Atlantique. Il s'est mis à jouer et à parier tout ce qu'il avait et à l'arrivée, il n'avait que 2,5 $. Rien ne commence bien, sur la base des mauvais comportements. Il va devoir apprendre l'anglais et avoir un travail. Quelques années s'écoulent et son comportement ne s'améliore pas. En fait, il va s'enfoncer encore. Par exemple, il va se faire renvoyer d'un de ses emplois, notamment celui de serveur, qu'il a mis du temps à obtenir. La raison de son licenciement? Vol et arnaque de la clientèle. Il quitte Boston avec 1 $ dans sa poche, pour aller au Canada, dans la ville de Montréal, pour rejoindre un de ses compatriotes italiens, pour monter une sorte de banque destinée à arnaquer les immigrants italiens. Petit détour à Montréal, Canada. Il y avait à Montréal un Italien nommé Luigi Sarosi, qui était prospère dans ses activités. Il avait depuis longtemps un commerce de cigares et a créé une nouvelle petite banque.
Quand Charles Panzi a entendu parler de ce monsieur, il a pris le chemin vers Montréal et s'est créé et donné le nom d'une riche famille fictive pour se faire accepter. Il parlait l'anglais, le français et bien sûr l'italien, et s'appelle désormais Charles Bianchi, de la riche famille fictive qu'il a créée. Ce qui lui a permis d'avoir un poste en tant que caissier dans la banque nouvellement créée. Et c'est là où il va apprendre comment arnaquer quelqu'un pendant des années sans que la personne ne s'en rende compte. La banque que son compatriote italien a mise en place était destinée à encaisser les économies des immigrants italiens. Voici comment il les attirait. Déposez votre argent chez nous et nous allons vous payer non 2% d'intérêt comme les autres banques vous payent, mais un intérêt de 6%. Ça sentait l'arnaque, mais 6%, c'était une occasion à ne pas rater. Tout le monde voulait l'argent facile. Et bizarrement, son compatriote arrivait à payer les 6% à ceux qui déposaient leur argent dans sa banque. Voici comment il faisait. Dans la mesure où il y a toujours des nouveaux clients qui déposaient leur argent, il est capable de prendre le nouveau dépôt et payer avec les taux d'intérêt des anciens. C'est essentiellement cette maxime, voler Peter pour payer Paul. S'il n'y a pas de nouveaux clients, la banque s'effondre. Et si tous les clients décident de retirer leur argent, la banque s'effondre également. Charles Panzi observait, apprenait et il devenait gérant de la banque. Il savait que ce système était fragile et qu'il était impossible pour son patron de payer les 6% d'intérêt s'il n'y avait plus de nouveaux clients. Et il n'a pas fallu longtemps pour que le doute s'installe chez les clients eux-mêmes. Quand les clients avaient découvert la faille du système et le mensonge derrière les investissements et les profits, le compatriote italien, cerveau derrière toute cette arnaque, prit une grande partie de l'argent de la banque et s'enfuit vers le Mexique, en laissant derrière lui sa femme et ses enfants. Ensuite, les enquêtes, la police et la prison. Charles Panzi, lui, est sorti indemne. Aucune accusation n'est portée sur sa personne. Mais il va commettre une erreur stupide de 423$ qui lui vaudra 2 ans de détention ferme dans la prison de Montréal. Après le démantèlement de la frauduleuse banque à 6% d'intérêt, Charles n'a pas bougé de Montréal. Il y resta et aida la famille de son compatriote qui a fui au Mexique avec la caisse de la banque. Il n'avait plus rien. Pas d'argent, pas d'emploi. Et un jour, il est passé dans le bureau d'un ancien client. Il entre et s'aperçoit qu'il n'y a personne dans le bureau. Il ouvre le tiroir, prend le chéquier et se fait à lui-même un chèque de 423,58$. Il forge la signature du directeur de l'agence. Quelle idée stupide! Quand il est interrogé par la police, il tend ses mains, avoue qu'il était coupable. Et pour cet acte, il va passer 2 ans en prison. Charles Panzi est désormais initié aux mauvaises pratiques et va commencer ses propres montages. Il écrit à ses parents vivant en Italie que tout va bien et qu'il a trouvé un emploi dans le cabinet d'un directeur de prison. Retour marquant aux États-Unis. À peine purgé sa peine au Canada, Charles Panzi se retrouve empêtré dans un autre scandale, cette fois de trafic d'immigrants. Et pour ça, il va écoper une peine de 3 ans de prison dans la ville d'Atlanta. En effet, sitôt qu'il était libéré au Canada, il avait décidé de revenir aux États-Unis et rentre dans un réseau pour aider les immigrants italiens à rentrer aux États-Unis. L'illégalité de cette activité lui vaudra 3 ans de prison. Et dans la prison dans laquelle il a été incarcéré, le directeur avait besoin d'exploiter le talent de Charles Panzi pour intercepter les correspondances d'un gangster italien nommé Lupo, le loup. Charles aidera le directeur de la prison dans la traduction. Il va ensuite faire la rencontre de celui qui va devenir son mentor, le riche businessman Charles Morse, qui, à un moment donné, contrôlait jusqu'à 13 banques et qui finit condamné pour fraude. À sa sortie de prison, Charles Panzi retourne à Boston pour travailler dans une mine, est ensuite licencié, ensuite rencontre celle qui va devenir sa femme, lui cache sa vie précédente et continue ses aventures où se mêlent mensonges et démesures. Sa vie devient plus stable quand, après son mariage et après avoir changé plusieurs fois d'emploi, il va ensuite travailler dans le commerce de son beau-père, dans une entreprise d'import-export. Et soudainement, il était inspiré par une idée géniale, monter une agence de publicité pour les entreprises. Personne n'a voulu investir dans son idée, et avant même qu'elle prenne vie, il était obligé de l'abandonner. Mais Panzi est un entêté. Il est aux États-Unis pour faire fortune. La gloire de la famille l'attend. Il peut abandonner l'idée, mais pas l'aventure. Il va rebondir sur un autre projet, celui de vendre les idées business à ses contacts en Europe. Et c'est là, les amis, où Panzi l'investisseur, Panzi l'arnaqueur, est né. L'été 1919, l'idée Panzi. Pour exécuter l'idée, Charles Panzi va louer un bureau à Boston, au 27 School Street.
Son idée était de vendre des idées business en Europe, et effectivement, il a reçu une lettre d'une petite entreprise espagnole qui sera le point de départ de toute son arnaque à venir. La petite entreprise espagnole demandait dans la lettre un catalogue de publicité. Mais la lettre contenait également des coupons réponses internationaux qui auraient permis à Charles Ponzi de répondre à la demande de l'entreprise. Et ces coupons réponses internationaux étaient pour Ponzi l'opportunité de se faire un tas d'argent. En effet, le coupon réponse est un papier valeur qui permet à l'expéditeur d'une lettre destinée à l'étranger de payer d'avance l'affranchissement de la lettre de réponse avec un ou plusieurs timbres. Et le destinataire de la lettre peut, une fois le coupon entre ses mains, les échanger contre les timbres locaux. Après avoir échangé, il peut ensuite décider de les vendre et encaisser de l'argent liquide. Mais la valeur des timbres peut différer d'un pays à l'autre, ce qui veut dire que l'entreprise peut acheter des coupons réponses internationaux beaucoup moins chers en Espagne, les joindre dans sa lettre, et une fois aux États-Unis, le destinataire peut échanger les coupons contre les timbres locaux pour une valeur supérieure à leur valeur d'achat. Ensuite, vendre ces timbres pour encaisser de l'argent liquide. Et justement pour Ponzi, les coupons réponses internationaux étaient beaucoup moins chers en Italie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il pourrait donc les acheter moins chers en Italie, en grosse quantité, pour les échanger avec les timbres aux USA, qu'il pourrait enfin revendre pour bénéfice de la différence des prix. Il a fait ses calculs et s'est aperçu qu'il peut faire un profit allant jusqu'à 400% grâce à la différence de valeur. Cette activité était totalement légale et n'aurait probablement causé aucun souci pour Charles Ponzi s'il s'était limité à ça. Mais vous le connaissez désormais, Charles Ponzi ne s'arrête pas là. Il veut en faire un business à grande échelle, ce qui techniquement est impossible. Parce que cela signifie qu'il doit acheter des conteneurs, des coupons réponses en Italie qu'il expédierait aux États-Unis et qu'une fois aux États-Unis, il doit les échanger contre les timbres locaux et ensuite vendre des tas de timbres pour retirer son investissement et ses bénéfices. Ce qui est techniquement difficile à faire si on essaye d'être réaliste. Mais un type comme lui n'entend pas ça. Il se met à la recherche des capitaux pour commencer son activité. Il va pitcher son idée à quelques banquiers qui, conscients de l'absurdité du projet, refusent de lui prêter quoi que ce soit. Mais il va trouver un moyen de lever des fonds auprès des particuliers comme son beau-père et ses amis. Il leur fait une promesse de doubler leur investissement en 90 jours. Cela vous rappelle quelqu'un d'autre ? Oui, évidemment, son compatriote italien qui a monté l'arnaque au Canada et a fui avec la caisse au Mexique. Maintenant, c'est au tour de Charles Ponzi de faire son jeu, et il ne va pas avec bassesse. Il va promettre 50% d'intérêt en 45 jours. Et en 90 jours, vous aurez triplé votre investissement. Et des nouveaux investisseurs continuent de venir. Et effectivement, il leur versait les rendements promis. Mais vous savez, les arnaques commencent toujours bien et finissent toujours très très mal. La dernière chance. Du fait de son succès massif, Charles Ponzi va créer une entreprise nommée Securities Exchange Company. On était en janvier 1920. L'Europe sortait de la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient très prospères et Charles Ponzi était très ambitieux. Les nouveaux investisseurs continuent de venir investir dans sa toute nouvelle entreprise. Le premier mois de son opération, 18 investisseurs ont reçu le retour sur investissement promis. Grâce à quoi ? Grâce à l'argent d'autres nouveaux investisseurs. Vous vous rappelez cette maxime utilisée pour illustrer l'arnaque du compatriote italien ? Voler Peter pour payer Paul ? C'est exactement ce que fait Charles Ponzi. Tant qu'il y a des nouveaux investisseurs, il peut prendre l'argent nouvellement investi pour payer les intérêts des anciens investisseurs. Et ainsi de suite, le système peut continuer. En 3 mois, les investissements continuent de s'accumuler. On est passé de 1 800 $ à 25 000 $, l'équivalent de 340 000 $ aujourd'hui. C'était également l'occasion pour Charles Ponzi de prendre de nouveaux bureaux, plus grands, et d'embaucher plus de commerciaux pour vendre son arnaque et ramener encore plus d'investisseurs. En 5 mois, il a amassé 2,5 millions, ce qui vaudrait aujourd'hui 34 millions. Et au mois de juillet, il rentrait déjà dans le club du million par semaine. Vers la fin du même mois de juillet, il faisait en un jour ce qu'il faisait en une semaine. Les investissements continuaient d'affluer et les investisseurs gagnaient de l'argent tant qu'il y avait de nouveaux investisseurs comme eux. Les gens se mettaient à vendre tout ce qu'ils avaient pour investir avec Ponzi. D'autres confiaient aveuglément l'économie de toute une vie. 1 million par jour était trop, mais pour lui, c'était le début d'une grande aventure. En 6 mois, Ponzi est millionnaire. Celui qui était plusieurs fois condamné pour des activités peu éthiques et illégales
celui qui volait dans un restaurant, celui qui pariait tout son argent lors de la traversée de l'Atlantique, est aujourd'hui millionnaire en moins de 6 mois. À ce niveau, on aurait même oublié l'impossible idée de départ d'acheter des coupons réponse en Italie, les échanger contre des timbres aux États-Unis et ensuite vendre ces timbres pour encaisser l'argent et les bénéfices. Il y avait trop de millions qui affluent sur son compte pour que Ponzi puisse détourner son attention. Il veut avoir le contrôle d'une banque. Il veut déposer tellement d'argent dans une banque de Boston qu'il aurait son contrôle. Et la banque en question était la Hanover Trust Bank of Boston. Il s'est mis à acheter des parts de cette banque. Après tout, il est millionnaire, il a l'argent. Il peut techniquement faire tout ce qu'il voulait faire. Son entreprise est florissante et il établit des branches dans d'autres états. Tout le monde commençait à investir dans cette arnaque, où il faut juste qu'il n'y ait pas de nouveaux investisseurs pour la voir tomber. Mais de nouveaux investisseurs, c'est tout ce qui ne manquait pas. Vous vous rappelez la gloire familiale qu'il devait restaurer? Eh bien désormais, Charles Ponzi a les moyens de le faire. Il se paye un manoir, une belle voiture, fait venir sa mère à Boston. L'époque des galères n'est qu'un lointain souvenir. Il se lance également dans d'autres investissements pour se diversifier, dans l'espoir de perpétuer son arnaque. Mais vous savez, on peut tromper quelqu'un pendant un temps, mais on ne peut jamais tromper tout le monde tout le temps. Un journal local, le Boston Post, commence à s'intéresser à ce que fait Ponzi. Et cet intérêt va créer une enquête qui leur vaudra le prix Pulitzer pour le service public rendu et le démantèlement de la pyramide de Ponzi. Suspicion et démantèlement. La croissance rapide de Ponzi crée des doutes chez certaines personnes, à commencer par un rédacteur financier qui disait qu'il était légalement impossible pour Ponzi de donner un tel retour sur investissement. Et cela a attiré l'attention de Ponzi qui l'a poursuivi en justice pour diffamation. Et vous savez quoi ? Il a gagné le procès avec, dit-on, 500 000 $ de dommages d'intérêt. Quel culot, n'est-ce pas? Mais cela a tout de même créé des suspicions chez quelques investisseurs qui s'étaient empressés pour retirer leur argent. Et vous savez quoi? Charles Ponzi a des millions et des millions et les a tous remboursés. Et cela a éteint les doutes des investisseurs existants et les rumeurs continuent de circuler. Charles Ponzi peut doubler votre argent en 3 mois. Même le journal cité précédemment, le Boston Post, dans sa phase naïve, a écrit un article en faveur de Ponzi. L'article a été d'une telle publicité pour Ponzi que lorsqu'il est reparti le matin dans son bureau, il a trouvé des milliers de nouveaux clients qui le suppliaient de prendre leur argent. Mais il y avait également, chez Boston Post, des journalistes qui étaient méfiants et qui commençaient des enquêtes cachées. À la fin du mois de juillet, le même journal sort des articles avec des questions très pointues auxquelles personne à part Ponzi et ses complices pouvait répondre. Ils ont fait appel à un rédacteur financier, Clarence Barron, pour enquêter et donner des réponses. Et ce rédacteur avait observé que l'histoire des coupons réponses internationaux n'était pas tenable. Parce qu'à ce niveau, pour avoir un profit sur ce business, il faut qu'il y ait 160 millions de coupons réponses en circulation. Alors qu'il n'y en avait que 27 000. Ce premier argument de Ponzi est infaisable et donc à écarter. Ensuite, aucun autre investissement que Ponzi a réalisé ne peut générer assez de profits pour doubler l'argent des gens en 60 jours. Alors, d'où viennent ces profits énormes? Ces questions ont créé des paniques généralisées. À la suite de cet article, un groupe d'investisseurs s'était pointé devant son bureau pour réclamer leur argent. Il les a payés 2 millions et les a rassurés. « Je suis Ponzi, vous ne devez pas vous inquiéter. » Certains ont été convaincus et ont oublié leurs réclamations. Ensuite, les autorités de l'État de Massachusetts se sont penchées sur le cas de Ponzi. Mais c'est Charles Ponzi lui-même qui va creuser sa propre tombe, lorsqu'il va embaucher cet homme, William McMaster. Quand il a embauché cet homme, Charles Ponzi n'arrête pas de parler de ses coupons réponses. Et William McMaster trouve incorrect tous les arguments d'investissement de Charles Ponzi. Il devient très suspicieux. Et pire encore, il va trouver plusieurs documents qui accusent Charles de voler l'argent de Paul pour payer Peter. Quelle erreur, Ponzi, d'embaucher un journaliste dans une entreprise frauduleuse. McMaster prit les documents et va les présenter à son ancien patron, au journal Boston Post, qui lui a offert 5 000 $ pour l'exclusivité de cette découverte. Les faits sont lus, l'article est rédigé, ensuite publié, et les effets se manifestent aussitôt. Une autre vague de panique a amené certains investisseurs à réclamer leur argent. Ponzi les a payés. Mais rappelez-vous, il avait assez d'argent pour payer quelques-uns, mais pas assez pour les payer tous.
Et c'est d'ailleurs ce que révèle l'article qui va également faire une autre révélation. Ponzi a une dette d'au moins 2 millions, qui peut aller jusqu'à 4,5 millions de dollars. Plus tard, ils vont découvrir que la dette est en fait de 7 millions de dollars. À la banque du Massachusetts, on commençait à s'inquiéter sur le fait que si les retraits d'argent des comptes de Ponzi deviennent massifs, les banques de Boston vont avoir du mal à s'en sortir. De fait, le commissaire de la banque du Massachusetts, Joseph Allen, a demandé à la Hanover Trust, la banque dont Ponzi voulait avoir le contrôle, de ne plus accepter les retraits d'argent du compte principal de Ponzi. Il est clair maintenant que Ponzi est désormais insolvable. Et c'est à ce moment que le procureur de l'État du Massachusetts intervient avec l'argument que la spéculation sur les coupons-réponses n'est pas tenable. On est au 7e mois depuis le début de la manœuvre et Ponzi est presque au bord du gouffre quand le Boston Post publie un article sur son passé sulfureux. Ses activités criminelles à Montréal 13 ans avant, la complicité dans l'arnaque de son compatriote italien, le vol de chéquier et la duplication de la signature, les prisons, tout ça refait surface. Sachant qu'il peut être arrêté à tout moment et qu'aucun argument n'est en sa faveur, il s'est de lui-même rendu aux autorités. Les vraies enquêtes ont été faites par les autorités. Fraude, vol, plusieurs charges ont été retenues contre lui. 40 000 personnes ont investi dans cette fraude qu'il aurait fallu peu pour démonter. Ces gens ont perdu 20 millions de dollars, l'équivalent de 207 millions aujourd'hui. Seulement un tiers ont pu être remboursés. Après plusieurs jugements sur plusieurs accusations, par miracle, Ponzi n'a passé que 5 ans en prison. À sa sortie de prison en 1925, il a quitté le nord-est des États-Unis pour s'installer en Floride. Ponzi ne s'arrête pas. Les années de prison n'ont servi qu'à l'affirmer davantage. Il va recommencer ses activités frauduleuses en promettant aux gens en Floride de tripler leur argent en 60 jours. Mais vous connaissez désormais le dénouement. Arnaque, enquête, prison. Cette fois pour 7 ans. Et cette énième sortie de prison, on était déjà en 1934, les États-Unis n'en pouvaient plus de cet homme. Il faut le déporter dans son pays d'origine, l'Italie. Chose faite la même année. En Italie, il va vivre d'une fraude après l'autre. Et le destin va le guider au Brésil, où il va enfin trouver un emploi qui va l'occuper le reste de sa vie. Il reste au Brésil, écrit son autobiographie et vit sur les terres brésiliennes jusqu'à son dernier jour. Il a laissé, derrière une pyramide, la pyramide de Ponzi.